Donc une douzaine, je pense. Donc on pourrait éventuellement poser quelques abris supplémentaires, tout simple. C'est bien qu'on regarde aujourd'hui on peut en aménager, où c'est le mieux. Par exemple, en fonction de ce qu'on va trouver comme microclimat, dans le couloir, s'ils acceptent éventuellement... On en avait déjà parlé avec eux. Je disais justement à Luc, 1258. Record pulvérisé, plus 11%. Donc on a notamment le Daubenton a beaucoup augmenté, mais les marginés et le Natterreur aussi. Je sais pas si les marginés, on va le voir maintenant, le Natterreur, C'est parce qu'on va voir, parce que ça diminue d'année en année, ici, en espérant que les aménagements pour le fouet. C'est assez curieux que ça diminue, mais peut-être que la montagne Saint-Pierre, c'est un endroit où elle se rassemble. Par rapport à il y a une dizaine d'années, voire même diminue maintenant. Et alors, dans ces cas-là, ce qui est quand même fort rare, on essaie de trouver des solutions. On dit pourquoi ça diminue, alors au départ, il n'y a aucune raison que ça diminue. Sauf qu'il y avait ce courant d'air froid, et on a estimé que c'était un des facteurs sans doute responsable de la disparition. Par ici, les aménagements ont été faits par l'association dans cet environ-ci pour ne pas qu'il y ait ce courant d'air. Donc on a juste un petit parcours à faire, un petit parcours à l'étinier. Ils sont prudents. Je laisse là, après ça va brunir moins bien. Donc Parti de la bouteille, je sais pas. Ouais, parce que les couleurs sous des fûts, les fûts de bobinage. Avec le nez, il est écrit V ou moins. On va écrire V ou moins. Oui. Reprend les oreilles dans un bouger. Donc en fait, ça, c'est un vespertillon à moustache. Un vespertillon à moustache, Myotis mystacinus, que l'on ne distingue pas du Myotis de Brandt, parce qu'il faut le décrocher et regarder notamment la dentition pour le faire. Donc ça, on ne le fait pas, évidemment. Et donc ces trois espèces-là, on les met ensemble et on ne les détermine jamais en hiver. Et regarder entre les... C'est pour ça qu'on essaie de ne pas s'attarder trop quand on en voit une. C'est pas encore trop grave parce que maintenant il fait... Ah, les couloirs. Oh, ici c'est pour les... Et ça va et vers l'ouest, là, vous, là, où je le trouve ? Non, c'est fini, doulé, là. Comment il s'appelle encore l'obus que les Allemands ont utilisé à la fin de la guerre ? C'est ça ? Qui traversait les parois, qui explosait, et qui arrivait dans un creux, quoi. Ah oui, ça a fait beaucoup de dégâts ici, et alors on en voit dans le forêt. Ça
c'est pas pour bouger hein, sur toute la saison, mais on essaye toujours pour les questions de formatage du recensement, de faire des comptages à peu près chaque année à la fin de l'année. Donc visiblement ici, il y a eu jadis du grabuge. Parfois, c'est pas possible. Normalement, cette année-ci, ben, Luc était forfait, mais il a dû rentrer, donc il est là. L'an dernier, il y en avait deux ici, mais il y avait beaucoup plus sec. Ah, ça, c'est possible. Je peux regarder une fois la température aux endroits clés. Donc ici, ce sont les zones de stockage de munitions. Mm-hmm. Donc là, pour moi, c'est bon ici. C'est les bonnes conditions. Vous me regardez en dehors des loges. Sauf que, donc il y a 13 degrés. Un peu chaud. C'est un peu chaud pour les pipistrelles, pour les vespertures moustaches, pour les natéreurs, mais il y a d'autres endroits. Ici, on voudrait bien durer, voilà. Donc, ça commence à se stabiliser. Donc on voudrait bien attirer les espèces thermophiles, donc, par exemple les marginées qu'on verra. Donc il y a 13 degrés et 81,5. 0 à 1 degré jusqu'à 12 ou 13, 14 pour les espèces thermophiles. Et il manque d'aménagement ici pour les dans un local aussi. Oui, on peut mettre des abris pour les espèces thermophiles. Dans l'abri, on va dire, ils sont suffisamment... dans les conditions, c'est long hein, quand même. Il y a plus de couloirs qu'autre chose ici. Ça, c'est le couloir qui va vers la caserne. Pas tout à fait. Mais il est où celui-là? Ici. Ah, c'est celui-là. Ah oui. Alors, je ne sais pas si d'habitude on prend celui-là, je pense qu'il va d'abord jusqu'au-dessus, jusqu'au bout. Poutrelle pour sas. Ça, c'est le toit. J'espère que je n'ai pas pris le mauvais couloir. Ça ici. Oh ouais, ça. Il y a l'ascenseur. Ça va?
moi très bien. Des grilles et des conduites d'air, c'est fou ce gamin. Rebond par rapport à l'air froid, donc ça c'est vraiment des choses qu'on peut montrer très très facilement avec des data loggers et des choses comme ça. Et les chauves-souris sont évidemment extrêmement sensibles à ça. Donc les espèces thermophiles ont un doute. Et pendant des années, donc, on a conclu que l'homme s'en sentait moins doute. Il faut les trouver, hein, parce que. Parce que vous êtes de la section de Tagarande. Qui c'est le choc au bien, alors c'est la membrane, la petite membrane qu'on a ici dans l'oreille. Mais qui est bien développé chez les chauves-souris. Notre petite boule en fait. Ouais. Une polycine. Ah, ah. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le tragus. Mais chez les oreillards, les oreilles sont tellement grandes que si elles les gardaient ouvertes en hiver, il y aurait une déperdition de chaleur. Et donc elles replient derrière les pattes. Et ce qu'on voit, ce qu'on voit sur la photo, c'est juste, là, on voit les deux tragus qui sont en fait les deux morceaux d'oreilles. Et donc on va, vous avez vu des boursouflures au-dessus du nez, des boules au-dessus du nez. Et les tragus qui sont concolores, donc d'un gris blanchâtre, grisâtre. Tandis que chez l'autre espèce qu'on n'a jamais vue ici, mais qu'on pourrait voir, qui est l'oreillard gris, lui, il a la face beaucoup plus pointue, comme les camions américains, comme on dit. Et les tragus, entre autres, il y a d'autres caractères, les tragus sont bicolores, donc ils sont un peu foncés, noirâtres sur le bout. Mais ça, son museau, donc il y a beaucoup moins de boules au-dessus du museau et il est beaucoup plus allongé. Lui, par exemple, l'oreillard gris, on en connaît pas mal de petites colonies dans des clochers. Il n'y en a pas ici à Aubert. Ah, il faudra aller voir. Je veux dire, assistance, quelqu'un qui les guide, par exemple, elles retiennent l'endroit. Donc elles peuvent revenir exactement au même endroit si ça leur convient. Exactement au même endroit que l'année précédente. À la montagne Saint-Pierre, où ça c'était hier, avant-hier, on a trouvé des tickets, je pense que c'est 4 ou 5 tickets l'un sur l'autre, qui correspondent probablement à la même chose. Ici, je pense qu'il y a une période où ça va monter. Ouais, il manque un premier escalier. C'est moyen, mais. De mortier avec les empennages. Ah ouais. Et puis vous avez deux petites soutes, et ça c'est pour les fusées percutantes. Ah ouais. On séparait toujours le corps du projectile du dispositif de l'humain. Ici, eh bien, on distribuait les bombes, elles roulaient, hein, on faisait rouler jusque-là. Ah puis ouais. Il y avait un servant ici qui les plaçait dans la noria. Donc il y a trois mortiers, il y a trois norias. Ouais. Et ça montait pour chaque mortier. Wow. Ici, c'est un local pour les projectiles. Ah ouais. C'était les hautes étagères, quand même, bon sang. Oui, mais c'est bétonné. Ah, ils ont fait du beau boulot. Ah, ça, vraiment, il y a des petits spots pour tout le travail. Et alors, dans les deux locaux, là, c'était des artifices. Ah. En fait, il y a deux sortes d'artifices pour les bombes de mortier. Il y a au culot une sorte de cartouche de chasse pour la propulsion. Mm-hmm. Donc, sinon que... Ici, ce n'était pas un mortier qui se chargeait par la gueule, mais bien c'était un mortier à culasse. Et alors, pour le dispositif de percussion à l'arrivée, bien, c'était des fusées au ménisque. Donc l'épaisseur du béton ne fait ceci, et ceci, c'est la roche d'origine. Elles ont tendance à se mettre dans des fissures, voyez-vous. Ah, parce qu'elles vous compliquent le travail en plus. Donc ils stagnent au niveau de. Oui. Là, vous avez le ventilateur, et ce ventilateur était suffisamment
puissant, quoiqu'il était relayé, il y avait un premier relais en dessous de la cheminée, pour pulser l'air vers ici, et celui-là l'aspirait, ça venait ici en dessous, ça passait dans les filtres à charbon de bois, et alors c'était conduit par des tuyauteries dans la caserne qui était hermétique. Vous voyez là, un trou que j'éclaire. Donc les Allemands en 1943 ont testé ce qu'ils ont appelé des obus Röchling, ce sont les premiers obus flèches, avec un acier extrêmement dur à la pointe, et ils sont parvenus, ils tiraient à 15 bornes d'ici, hein, à venir. Tout ce que vous allez voir comme dégâts, ce sont des obus que les Allemands ont testés, et ils en ont eu peur eux-mêmes, à tel point qu'ils ne s'en sont jamais servis opérationnellement, de peur que les Alliés ne s'emparent de l'idée et s'en servent contre la ligne Siegfried. Mais on voit très bien, avec une bonne norme, on voit sur plusieurs mètres les voies de pénétration. Hein. Maintenant, pour un obus qui est venu exploser ici, il y en a peut-être 15 ou 20 qui sont derrière le mur, quelque part. Comme on ne sait pas. On suppose que l'obus est passé derrière le mur là, ouais. Et a détaché, a explosé par en dessous. Ouais. Comme à Ponty 114, il y a un 4-20 qui est passé dans le fossé, qui est passé sous les chambrées, et il y a une chambrée dans le plancher, se trouve au plafond. Ouais. Et ça soit faux sur terre, ça trois fois pareil. Oui. Eh bien, ici, vous pouvez regarder avec lui, on voit très loin. Il y a un obus qui ressortait comme ça. Donc ce sont des obus très longs, hein, qui font presque 1,50 de long. Voilà. Ah, oui. La tête était fichée là, et l'obus était comme ça ici. Après, le cadeau, ça est rentré dedans là. Et il n'a pas explosé, parce qu'ils ont tiré des obus. Eh bien, ça c'était un obus inerte. Et ils l'ont retrouvé, il ressortait comme ça du trou. Et il est dans le musée du fort maintenant. Ça fait 105 mm en diamètre. Ça fait plusieurs générations d'associations qui se succèdent ici. Ils essayent d'aller chercher, hein, cette écrusée, papa. Mais ils ne savent pas si il y a une tête explosive ou pas. Donc c'est peut-être pas... mieux de le laisser là. Oui, c'est peut-être mieux. Et alors, vous voyez, il y a des rivets sur le côté. Oui. Et vous avez encore un morceau d'ailette. En fait, quand l'obus sortait du tube, les ailettes se déployaient pour la stabilité de la trajectoire. T'as vu le béton fourré, hein? Ouais.
Vous avez vu quelque chose d'autre là-haut? Rien. Moi j'ai vu un émarginé en plus, mais je me dis, moi je n'ai pas tout fait. Ah oui, on voit bien là. Le tunnel de cochon. Ah oui, on voit le. Oh la lumière, ouais, ça. Ouais, c'est une cheminée. Voilà, bienvenue.